Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que ces semaines se sont bien passées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Enterboot, qui est normalement en Allemagne, à Friedrichshafen. C'est une grande exposition avec plein de bateaux. Mais là, j'en ai refait une petite en Lego. Mais on va aussi parler de mon nouvel aéroport que j'ai construit. J'en avais déjà un avant, plus petit, je l'ai juste agrandi. Bienvenue au Legoville Airport. Vous allez découvrir avec moi qu'est-ce qu'il y a dans cet aéroport. Bon, alors là on est vraiment à l'aéroport. Alors je vais déjà commencer ma visite ici. Alors ça c'est le premier gate. Gate porte ici, il y a toujours le tram qui vient ici, qui vient chercher les personnes. Voilà, juste derrière cette porte là-bas, derrière dedans, on a la poste. On le voit par ses rubans jaunes. En haut, on peut s'installer, regarder. Ici, il y a un restaurant, bar, café. Là, on voit une machine à café, des tables, une petite terrasse. En bas, il y a un petit stand où ils vendent des glaces et des boissons. On voit même qu'il y a la police qui surveille. Alors en bas, il y a le couloir qui mène au deuxième bâtiment. Sachant que bientôt, le couloir sera aussi occupé par des petits stands. Ça sera bien sympa. Ici, on a la terrasse en haut du restaurant. Sachant qu'à ce restaurant, on peut y accéder même si on n'y a pas d'avion. En bas ici, derrière, il y a la deuxième entrée. Ici, il y a des escaliers qui montent en haut, là, derrière. Après, on voit qu'il y a une séparation, c'est pas pour les différentes classes. Quand on passe derrière le long du mur, on peut encore une fois accéder sur la terrasse, là. Et quand on passe le deuxième chemin, comme attend déjà un père avec son fils, on arrive au deuxième gate. Ici, on voit encore que le gate est fermé, mais ils veulent prendre le vol avec le drone à double étage. Voilà, je vous ai fait visiter à peu près l'aéroport, ou attendez. Là, ici, on voit encore la tour de contrôle. Il y a même quelqu'un installé dedans, voilà. Bon, voilà, je crois que je vous ai fait un petit tour de l'aéroport. On se retrouve directement pour aller voir les différents avions. Alors, celui-là, c'est le premier avion de la flotte de Legoville Airlines. Alors, c'est le premier avion que j'ai eu. Alors, comme on peut voir, il y a un réacteur de chaque côté. Il a à chaque fois devant, il a double roue. Et aussi à l'arrière de chaque côté, il a deux roues. Alors, si on me demande maintenant à quel avion on peut le comparer dans la vie réelle, je ne sais vraiment pas. Donc là, derrière, on a encore deux mini-réacteurs et qui aident aussi pour guider l'avion. Là, encore, on a deux ailerons derrière. Là devant, il y a le cockpit. On peut même voir, il y a quelqu'un à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est le deuxième avion. Alors lui, par contre, il est inspiré de la vie réelle. Il est inspiré du type CRJ. On peut voir, il a deux réacteurs derrière, au-dessus de la cabine, sur l'arrière. Deux ailes. Enfin, les ailes. Alors là, on peut voir un peu à l'intérieur. Voilà. Ici, bien sûr, on a déjà l'escalier intégré, comme dans les vrais avions de ce type. Par contre, derrière, juste ce qui n'est pas inspiré de la vie réelle, c'est toutes ces roues. Voilà. Voilà, ça c'est le troisième avion. C'est un avion purement cargo. On voit aussi, il a quand même deux grands moteurs, aussi grands que le premier avion. Le cockpit, il y a un peu plus de verre. Là, on peut aussi voir, il y a déjà quelqu'un installé à l'intérieur. Voilà. Derrière ce petit bout, on peut le soulever comme ça pour pouvoir derrière descendre la petite trappe pour pouvoir accéder à l'intérieur. Voilà, cet avion est aussi très bien et je l'ai eu quand même assez récemment.
Il a aussi encore des roues de chaque côté. Bien sûr, il a moins de roues que le premier avion. Mais voilà. Et ça, c'est le dernier de la flotte. Ça, c'est pas un avion. Ceci est un drone à deux étages. Alors, comme on peut voir, on peut sortir les hélices. Donc, il a une, deux, trois, quatre, et on a encore une cinquième hélice. Derrière, on a un escalier qu'on peut descendre, une barrière à ouvrir pour pouvoir passer du sol dans l'appareil. Dedans, on a une échelle pour monter à l'étage. Et en haut encore, on a deux entrées, celle-là et celle-là qui est même ouverte, qui est reliée à l'aéroport, sont aussi là pour accéder du haut. En bas, on a le cockpit. On peut voir qu'il est bien fait en verre, c'est très très joli. Et même en haut, on peut s'installer derrière du verre quand il y a du vent. Bon, maintenant on passe à la partie Interboat, le show de bateau. J'espère que l'aéroport vous a plu. Alors, nous commençons directement avec le premier exposant. Ce sont les pompiers. Comme vous voyez, ils ont leur bateau de pompiers là avec leur petit stand rouge. Il y a un monsieur et une dame qui sont vraiment en signe des pompiers qui sont là. Là, il y a un gros yacht. Voilà. Avec piscine, bar, cuisine équipée. Il y avait encore plus de choses, sauf que là, c'est un peu en rénovation, c'est un peu vide. Mais sinon, c'est plein. Là, il y a même une dame là qui veut vraiment venir voir le gros yacht. Ici, on a le bateau qui va aussi très très vite, qui appartient au groupe qui ont aussi ce château. Ils sont là avec leur petit stand. Ils ont d'autres boissons là et une petite table. Là, c'est un quartier qui a acheté ensemble un bateau qui va assez vite. Là, on voit, ils sont aussi installés dans leur petite cabane. On voit qu'ils ont deux gros moteurs de jet et c'est sur forme catamaran. Et bien sûr, le repas ne manque à aucune des fêtes avec, oups, pardon, le petit bar, restaurant. Là, on voit, ils ont un barbecue. Il y a le monsieur avec sa fille. On voit aussi, ils ont trois tables. C'est assez bien. Bon, voilà, Entaboat en forme Lego. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air. En tout cas, je vous dis encore bon week-end et à la prochaine. Salut! Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager avec tes amis. Et pour ne rater aucune des vidéos, active la cloche des notifications. En sachant que je sortirai une vidéo toutes les 2 semaines, le dimanche soir. Alors, ne les rate pas, je compte sur toi. Allez, salut!